sur la chaîne Graphi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Il y a de nombreuses personnes qui ont du mal à trouver un nom pour son activité. Et ça, c'est relativement normal parce que vous n'avez pas d'inspiration et vous ne savez pas où les chercher. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un nom qui correspond à l'image de votre activité professionnelle. Quelle est votre activité? Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous faites exactement? Et pour ceux qui veulent se lancer, que voulez-vous faire comme activité? Je vous donne un exemple. Par exemple, la pizzeria. Je suis certain que vous aimez beaucoup les pizzas, n'est-ce pas? Pourquoi je pose cette question? Parce que ça vous permet de vous centrer sur votre activité, pour pas être hors sujet. Il est vraiment important de rester focus sur votre activité et de prendre en compte de cela. Quel est votre type de service? Est-ce que vous vendez de la pizza? Est-ce que vous livrez la pizza à domicile ou en entreprise? Ou alors vous faites les deux? Posez-vous cette question parce que c'est ça aussi qui vous déterminera de trouver un nom pour votre activité. Admettons que vous envisagez de faire des livraisons, alors ça sera un bon moyen aussi de trouver un bon nom pour votre entreprise. Et surtout, ça vous permet de vous concentrer sur votre type de service que vous proposez à vos clients ou vos futurs clients. Quels sont vos mots-clés? Ça peut être la chaleur, le dynamisme, le jaune, l'orange, l'accueil, la bienveillance, etc. Pourquoi les mots-clés? Eh bien, grâce aux mots-clés, vous allez extraire pour trouver un nom pour votre activité. Et c'est vraiment un très bon moyen pour vous. Admettons que dans votre entreprise de pizzeria, vous avez toujours le sourire pour accueillir les gens, vous êtes chaleureux, vous avez de l'humour. Vous pouvez par exemple appeler votre pizzeria Smiles Pizza ou Smiles Pizzeria. Comprenez bien, c'est juste un exemple pour vous donner une idée de mots-clés en rapport avec l'activité que vous faites qui rattache à l'ADN de votre entreprise. L'ADN, c'est quoi? L'ADN, c'est l'état d'esprit de votre entreprise, de la personnalité de votre entreprise. Donc, il faut que le nom concorde grâce aux mots-clés qui vont vous permettre de créer un nom pour votre entreprise. Il y a trop de gens qui ont trop dans le cliché. Je vous donne un exemple. Pour une banque en ligne sur le web ou une banque en mobile, par exemple, vous l'appelez Money Bank. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre banque. C'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que c'est une banque qu'il faut obligatoire mettre banque. Vous voyez où je veux en venir? Vous pouvez offrir une originalité. Par exemple, monnette. C'est très original et elle se différencie des autres concurrents. Une fois que vous avez trouvé un nom pour votre entreprise, vous pourrez alors aller à l'étape suivante. Et si vous êtes intéressé que je réalise votre logotype pour votre entreprise, vous pouvez retrouver le lien en bas de la description de mon site internet. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger sur votre projet et la réalisation de votre projet jusqu'à la touche finale. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Did you know it's... You're going to bed.